Bonjour et bienvenue dans les petites recettes d'Annette ou comment cuisiner sans se prendre la tête. Nous allons passer directement non pas à l'apéro mais au Dijon. Tournée de shot pour tout le monde. Attention, vous le savez comme moi, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous allons donc préparer nos verres à shooter dans des verres en eau. Pour cela, il vous faut donc de l'eau que vous mettrez dans le bac à glaçons. On n'oublie pas les petits capuchons. Comme vous pouvez le voir, le petit capuchon va créer le creux du verre parce que sans creux, eh ben c'est plus un verre, c'est un glaçon. Voilà, maintenant, on les laisse reposer 2 heures au congélateur. Attention. Voilà. Voici nos verres à eau. Santé. Alors, pour rendre vos soirées un petit peu plus folichonnes, je vous conseille de rajouter un peu de sirop dans votre bac à glaçons, ce qui vous permettra de créer des verres à shooter en grenadine, en sirop de menthe ou encore en sirop de citron ou sirop d'érable. Tournée générale pour tout le monde. À la tienne, Étienne. Santé, René. Si t'en as marre du gaspillage et du cristal, chope tes moules de 12 ice shots sur leonscorner.com.